Un, deux, trois, soleil. Un, deux, trois, soleil. T'as perdu, tire-toi. Un, deux, trois, soleil. Bah Julie, tu fais quoi là? Bah je joue avec vous. Bah non. Bah ouais Julie, c'est clair, tu joues pas avec nous. Bah ok. Bon, on reprend. Un, deux, trois, soleil. Oui, oui, je comprends, mais vous savez, je connais assez bien cette classe. Et puis je vais faire vraiment tout mon possible pour qu'il se sente à sa place. Donc devrait pas y avoir de problème normalement. Oui, merci, merci, merci à vous. Je vous fais confiance. Bonne journée. Au revoir, mon cœur. Les enfants, je vous présente Émile. Il passera une semaine sur deux dans notre établissement. Je compte sur vous pour l'accueillir. Émile, tu peux t'asseoir ici, à côté de Julie? Émile, tu peux t'asseoir. Émile, assis-toi. Bon, Julie, si t'as peur, t'es pas obligée, hein. Allez, saute, Julie! De la SVT et ce sera sur les espèces. Alors bon, déjà, qu'est-ce qu'une espèce? Par exemple, ici, vous avez deux escargots, un escargot de Bourgogne et un escargot petit gris. Un escargot de l'espèce de Bourgogne ne s'accouple jamais avec un escargot de l'espèce petit gris. Un escargot de Bourgogne s'accouple avec un autre escargot de Bourgogne. Cet accouplement donne naissance à d'autres escargots de Bourgogne qui pourront aussi se reproduire entre eux. Émile, Julie, mais qu'est-ce que vous avez fait aux tables là? Tu fais quoi pendant les récré? Bah, je chasse mes coccinelles. Mais il n'y a pas de coccinelles. On est en hiver. Bah, si, mais elles dorment. Il écrit jamais dans son cahier. Et la maîtresse, elle lui dit rien. Alors que nous, si on fait ça, on se fait défoncer. C'est pas juste. Non, mais il est trop chelou. Attends. Hé, la moche! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Émile, je le connais, ton pote. Bah, il est un peu bizarre, mais... Non, mais c'est pas mon pote, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vas-y, ils sont trop amoureux, quoi. Elles se sont disputées, donc elles essaient de se partager des bonbons. Sachant que Claire a donné à Camille 15 bonbons, combien Camille a-t-elle de bonbons? Oui? Maîtresse, pourquoi elle n'est pas là cette semaine, Émile?
Eh bien, écoute, Émile, il est dans une école spéciale et il reviendra avec nous la semaine prochaine. C'est l'école mongole. Non, les enfants, on se calme. C'est toi qui l'as fait ? Bah... ouais. Oh, mais tu dessines trop bien. Hé, hey, viens voir. T'as vu, Julie, elle dessine trop bien, hein. Mais t'es trop forte! Bah, merci. Mais en gros, tu peux tout dessiner en fait. Bah, je peux pas tout bien dessiner, mais... ouais, je crois que je peux tout dessiner. Oh ouais, vas-y, tu peux dessiner Émile! Ah ouais, vas-y, dessine Émile, ça va être trop marrant. Bah, ok. Oh là là! Oh ouais, mais c'est trop simple, hein! Attends, t'as oublié quelque chose! Bilan. La notion. Julie! Regarde ce que c'est fait! Rassemble des individus qui se ressemblent, capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance capable aussi de se reproduire. 1, 2, 3, soleil. Et Julie, il faut pas bouger. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. 1, 2, 3, soleil. Émile, Émile, reviens. Où est-ce que tu vas, Émile? J'ai oublié mon slip de bain. Je vais pas y aller. Moi aussi, je veux pas y aller. Émile, qu'est-ce que tu fais? Émile, tu veux pas répondre à nos questions? Tu veux pas répondre aux questions de la maîtresse, Émile? Il faut répondre à la maîtresse, mon cœur. Je veux mon drap dans le bol. Calme-toi, Émile. Julie, tu viens avec nous? Julie, on va te poser quelques questions, d'accord? Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Émile à la piscine? Bah, j'ai entendu Émile pleurer dans la cabine et j'ai ouvert, quoi. Et tu sais pourquoi il pleurait, Émile? Il avait perdu son maillot. Excusez-moi.
Mais il n'y avait personne d'autre dans les vestiaires? Vous étiez tout seul. Les autres enfants, ils étaient où? Ils ont rien fait. Et Émile, il était tout nu quand t'es rentré? Ou il était encore tout habillé? Je sais pas. Attends, comment ça, tu sais pas? Excusez-moi. Et Émile, est-ce qu'il t'a... Madame, écoutez, rien ne dit que... Oui, non, mais enfin, bon... Oui, bon... Dis-moi, Julie. Émile... Tu l'aimes bien? Non, c'est pas mon ami. Il est trop dégoûtant. Ah oui, écoute, on va la changer d'école. Enfin, c'est ce qu'il y a mieux à faire pour elle, hein. Comment ça? Ah, et le petit? Ah bah, il est viré, hein. Il retourne au centre. Ah non, il revient plus ici. Ah bah oui, hein. Et franchement, je comprends pas. Je comprends pas que t'aies pas pu trouver un créneau. C'est ta fille aussi, quand même. Les enfants, je vous présente Julie. Je compte sur vous pour bien l'accueillir parmi vous. T'es trop forte. T'as appris toute seule? Ouais. Tu le veux? Merci, c'est trop beau.